Bonjour à tous. Bonjour, nous sommes très gays aujourd'hui. Bonjour, ça va très bien. Donc, nous espérons que vous allez très bien vous aussi, que vous pétez la forme. On est super joyeux. Enfin, moi je suis super parce qu'on tourne. Alors là, c'est l'épisode 16, il faut savoir. Mais on a de l'avance. Hein. Oh oui. Et aujourd'hui, j'ai appris des nouveaux persos pour Samurai Warriors 4. Oh, voilà. Pour moi, c'est le pied. Et donc, on a réussi à se débugger. Ouais. Ce fut laborieux, difficile, mais on y est arrivé. Alors, bah difficile en fait, le truc c'est qu'il fallait trouver la source du bug, donc on a fureté un petit peu sur internet une heure ou deux durant, et quand on a trouvé la cause, on a dû appliquer hein, le debug. Donc le debug, je vais l'expliquer très vite, soit il fallait faire une partie seule donc, depuis le début, donc perdre sa sauvegarde et tout refaire jusqu'au point donné en espérant de ne pas avoir le bug, soit faire une partie rapide, oui tu me mets le feu aux fesses, donc soit faire une partie rapide avec des joueurs de bas level, ou tomber sur une partie avec les gens arrivés au même endroit, au même level, sans qu'il y ait le bug. Il y avait aussi des petits bugs à cause de Beleram, il fallait lui parler à chaque dialogue, chaque endroit différent. Et il ne fallait surtout pas activer la quête de l'elfe emprisonné dans les bois. Et donc j'ai fait moi-même, JD, comme vous voyez, regardez, filme un petit peu ma barbe et ma nouvelle hache. J'ai refait le jeu en entier en une journée, enfin jusqu'au point donné hein, où on était arrêté. Et j'ai pas eu le bug, ça a tout débloqué. Donc voilà. Et puis c'est toujours un wou. Donc voilà, voilà la cause du bug et du debug. Il faut soit tout refaire, soit avoir de la chance. Et Mio, lui, quant à lui, a fait aussi une petite astuce, hein, donc je te laisse l'expliquer. Oui, j'ai réussi à tomber sur une partie en ligne de quelqu'un qui proposait joyeusement de rejoindre sa partie. Il n'a pas eu le bug, et donc j'ai réussi à me débugger. Mais en fait, on a remarqué que notre pauvre Yui, on s'est dit, ça devrait passer. Mais en fait, a priori, maintenant, elle va plus gagner les trophées. Donc moi, elle a un peu dégoûté. J'ai rien fait en fait. J'ai attendu elle laisse faire. De toute façon, elle a ses larbins, elle a ses prunis, elle est contente. Voilà. C'est ça. Non, mais ils m'ont dit que peut-être que j'avais pas besoin de faire. Donc, C'est pas faux, on te l'a dit. Parle pas non plus mais des du biches. Coup, elle gagnera les trophées postérieurs lorsqu'on fera la partie en difficulté un peu plus élevée. Mais on le fera pas pour la chaîne, hein, on le fera pour le plaisir. Pour nous trois, c'est ça. Donc Fania a peut-être... Enfin Fania, tu comprends le montage. Donc, c'est Yui. Sympa de donner mon nom à tout le monde. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc Yui a les trophées bloqués. Tout simplement, c'est pour ça qu'il va devoir refaire le jeu. À partir de sa sauvegarde, parce que d'ailleurs on a eu peur aussi que la sauvegarde soit annulée, mais apparemment elle a essayé et tout va bien. Enfin, on espère. Faut encore que je vois si après, plus tard dans le jeu, ça comptera quand même ou si ça ne marche pas. Ça m'avait marqué sauvegarde désactivée avant de lancer la partie. Mais c'est quand même bizarre parce que tu as ton level et ton stuff, donc ça me paraît bizarre parce que techniquement, oui, quand les options t'indiquent ça à l'écran, c'est que bah tu perds tout quoi, le level, le stuff. C'est bizarre. Enfin bref, ce jeu est ultra buggé et sans me faire spoiler, j'ai appris qu'au chapitre 8, il y allait avoir un nouveau bug de la même façon, de la même sorte, à cause d'un PNJ à qui il ne faudra pas parler. Voilà. Je me suis pas fait spoil de qui, ni où est-ce que c'était, ni quoi que ce soit, mais au chapitre 8, il faudra faire attention. Donc là, à chaque vidéo, s'il y a du dialogue, on va devoir passer un petit quart d'heure en plus par vidéo parce que il faut faire tous les dialogues, tout simplement pour pas bugger. C'est incroyable de nos jours d'avoir des jeux buggés comme ça. Mais ça existe encore. Ouais. Même sur nouvelle génération, il y a déjà des bugs. Ouais, bon, la nouvelle génération, honnêtement, la PS4, au final, je sais même pas si en 2014, on va l'acheter s'il y a aucun jeu. Sauf si il y a Samurai Warriors 4 version Z qui sort, là, je suis obligé de l'acheter. Bah moi, ce sera l'année prochaine, puis c'est tout. S'il sort pas, je l'achèterai pas. On attend que le prix baisse. Bon, alors attention, il y a des méchants. Donc oui voilà, épisode 16 on continue, hein, nous devons aller rechercher Urghost, hein, le dragon. Et nous sommes à Dol Guldur. Ouais, oula, ah d'accord. Oh Oui.
C'est un Dothraki mais en vieux. C'est des hommes. C'est ça. Oh putain, mais c'est qu'il fait mal le con. Enfin, il fait mal pas trop, mais il... Et je voulais indiquer aussi à nos amis que... Ah, il s'est fait couper la tête. Vu que j'ai pas... Vu que j'ai pas changé de priorité, je n'ai pas changé de... De stuff à part la hache, j'ai refait un peu la barre et les compétences sont les mêmes. Et chose intéressante aussi à noter, JD et moi-même sont même passés niveau 19. Oui. Du coup, c'est une chose à dire ça. Il faudra laisser Yui à avoir tous les levels, enfin tous les XP quoi. Oh, c'est bon, hein, de toute façon, je suis là pour soigner quoi. Donc c'est voilà. Pas grave. Non mais si quand même. Si tu peux lancer un rayon dévastateur de la mort au loin pour te faire un XP. Ah j'aimerais bien ouais. Faut les tuer. Oui je pense. Ce sont des hommes, il faut les tuer. Avant ça il y a des caisses à l'intérieur. Hop là dans le mille. C'est bizarre parce que maintenant je suis plus habitué au jeu, j'ai l'impression qu'ils font super mal. Ah non c'est. Non, ils font vraiment mal. Retraite. Mais non, pas retraite. Attaque. Ah, ah, j'ai à quel ah oui, et chose intéressante aussi à noter, c'est que quand on joue tout seul, l'IA est quand même bien contrôlée pour ah ouais, franchement, pour les alliés. Elle est pas vraiment pas dégueulasse. J'étais assez étonné là-dessus. Meurs, chaman. Bon, je vais me couper de lui là-haut là. C'est moi, je le vise. Voilà. Attends. Oh, il gardait une grande trompette. Mais il est pas mort. Tu gardes. Oula, oula. Il a fait un backflip. Laisse-le tuer, hein, tranquille. Ah, ouais. Il est mort. Ouais, c'est bon. Ouais, y'a pas un petit trésor de planqué là? Si, si. Ouais, c'est pas un coffre. Dans cette grotte, il doit y avoir un truc là. Ouais, un coffre. Mio qui se promène tranquille sans broncher là. Je pique la place. C'est clair que tu m'as poussé en plus. C'est trop fort. Ah bah elle sent qu'il y a de l'or donc pousse-toi, c'est à moi. Ah oh oui, c'est à moi. Je le vois. C'est à moi. Ma précieuse. On casse les barils. Bon, viens-y. Je cassais des barils pour avoir de l'or, mais là je ramasse de l'équipement aussi. Non mais. Non, t'as pas le droit. Monsieur. Non. Tata yo-yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Faut que j'arrête de la faire à chaque fois, celle-là. Apparemment, ça va. C'est plus drôle. Ça va faire très mal. Oh oui, oh j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. M'occupe des. Les chamans. Je vais t'en la passer. Qu'est-ce que j'ai dit de toute façon, tu meurs, faut pas te sauver. Ah ouais ouais ouais. Nous avons une conversation édulcorée à enregistrer. Sur les persos que nous aimions ou pas. Soit disant Oh putain c'est quoi ce malade d'un viking. On n'est pas dans Skyrim. Hein. Aïch. Oh putain, y a pas que des hommes maintenant. Y a pas que des hommes. Oh mais y a des snipers. Y a des snipers dans la. Ah ils sont peut-être alliés vu que ce sont des hommes du sud. Hein, tout ça. Oh quel con, j'ai changé ses bénéfices. C'était pas voulu. André. Il allait me tuer. Je suis pas amené toi. C'est un cagou. Aïe. Oh, je glisse la porte. Oh putain. Je prends ça. Et ça. Ah mais t'es morte. Je dévale la porte. Comme un nain. En roulé-boulé. Oh bah pendant tout ce que j'ai cherché un trésor là-bas. Merci. Ça te fait du level. Merci.
En plus, c'est un secret des nains. Voilà. Tire la tête. Et c'est même pas de, des pièces d'or, c'est un secret d'un vrai. Où ça? Nouveau secret découvert. Waouh, la grotte sombre et ténébreuse. Waouh, il y a deux secrets des nains dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? L'éclat de l'or. Il est par là. Je suis dans la montagne. Ah là. Deux filons d'or. Inutile de le laisser aux orques. Et un coffre. Mais t'as voulu me frapper, toi? Ouais, je voulais t'assommer pour prendre tout le butin. Ah, je dis land, désolé. Tous les secrets nains, n'empêche, t'as l'impression qu'il y a que des secrets nains, quoi. Ah bah, on est un peu dans une zone naine à la base. Dol Guldur était un bastion nain. Oui, non mais... Ouais, mais de base. Oui, de base, ouais, c'est clair. En même temps, est-ce que c'est parce que je suis Lot? Bonne question. Non, non. Ah, peut-être, on sait jamais. Non, je pense pas. Ah! Oh, il est. Oh putain! C'est un Dovahki! Il a le casque de Dovahki! Ah, t'es mort. Attends, je coupe un peu ce saucisson pour voir. Là. Eh, Belleram! Mange! Level up! Hein? Tu vois? Niveau 20? Ouais! Oh mon comment dieu! Comment ça faire? Je l'ai pas vu lui. Sauf que ça fait pas ting, cherchez l'erreur. Il faut que tu passes au niveau. D'accord. Pas pour les... C'est bon, champion du Nord. Je me suis. J'arrive! Ah! Tu la protèges? Yo, protège. Sniper. Allez, non, on te le laisse, Yui. Tu veux. Ouais. En l'air. Peut-être l'XP. En plus, il peut te rien faire. Tu as le sanctuaire. Il y a un secret. T'es rodeur. Les deux nada. Bien planqué en plus. Oula, très bien planqué. Attends, t'as fini, Yui? Ouais, c'est bon. Viens aller par là. Ah, j'arrive. Ah ouais, ninja. Ah, le petit chemin. Et il est bien planqué. Ah ouais, je dis ouais. Ah ouais, pardon. J'étais en mode France 3, là. Julien Le Perse. Ah. Et je pensais à remercier le grand Dunadan qui a laissé ceci. Le secret, voilà. Again. Bon, ben par là. Hop là. Vous pouvez récupérer quand même ou pas? Deux. En vous mettant là où je suis. Ah non, moi j'ai rien vu. Non, y'a rien. C'est naze quand même. Les trophées humains, c'est que pour les humains, quoi. La 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 la. Bon, on va repartir par là, parce que j'ai dit parti par là. Bah oui. En fait, je crois que tu pouvais passer de ton côté, Yu. Je crois, hein, je ne suis pas sûr. Ça sent le soufre. À souffrir. Mais je suis qu'à souffre douleur. You are the chosen one, Farid. On sait ce que t'as regardé dernièrement. Au fait, oui, t'as aimé? Ouais, c'était cool. Elle a faim, elle est classe, hein, quand il s'élève pour la première fois qu'il respire pour la première fois. C'est obscur! C'est démoniaque! Je suis de ce côté, moi! À cause de l'or, en fait. Ça appelle toujours quelqu'un, là. Tout le monde dit que l'argent, non, c'est pas avec l'argent contre le bonheur, je sais pas quel point. Si, mais carrément, ça sert l'argent! Ah bah si, franchement, moi je suis pas de l'avis que l'argent c'est pas le bonheur. Oh le quoi, je l'ai pas vu arriver! On a tout avec l'argent, faut être honnête! Comment qui va passer dessus, ce con? Je le voyais pas du tout venir, quoi. Tu as dépoté le croupion, Yui, là. Tu as mis la lance dans les fesses, parfaitement. Ça aussi, c'était un épisode mémorable, hein. On parlait que des fesses. Un croupion aux fesses.
Bout. Je ne peux pas faire ça. Tiens, comment faut voir. On commence. Faut que je sois tout prêt. Je suis pas assez prêt. Je mets des coups de pied au cul. Mais tu vas travailler, ouais, les coups de pied au cul. Bon, putain, tu vas me tuer, oui. Vas-y. Oh. Ah, je t'ai coupé. Tu as tranché le pied. Avec du bois. Bataille. Je ne peux pas faire cela pour l'instant. Ah, voilà, t'es morte. Allez, on vient t'aider là. On a fini de s'occuper des fesses. Là, je suis trop loin pour y viser. Et là, tu mets un coup de poing, je te parle pas, tiens, de capoter. Ah, j'ai récupéré une grande plume. Ah, y'a un marchand ici, c'est cool. Et lui, il a perdu la jambe. Et level up. En effet, c'était marqué. Champion du Nord. Bah, hé, c'est un peu ma région. Bref. Ah bon, t'es du Nord? Bah, qu'est-ce que tu crois, Bilou? Là, qui s'y a acheté? Bonjour, merde. Le merde. Le merde. La merde. Une arbalète qui a l'air super pourrie. Un couteau à deux mains. Non merci. Un couteau. Elle fait quoi ta hache? 237-341. Avec 3 emplacements. Okay, elle est mieux que ce que je viens de voir. Je peux assertir 3 choses dessus, c'est trop violent. Bon, level up. Bon. Qu'allons-nous monter? Dextérité. Moi, je prends des potions et des carreaux. Et voyons voir ce que je peux acheter de beau. Pour l'instant, absolument rien. Non, je peux rien acheter, c'est pas grave. Je vais faire mon level up et puis c'est tout. Je vais augmenter ma résistance et ma volonté, voilà. Alors, le cri de guerre permet dorénavant aux nains d'ignorer les coups lourds et d'augmenter l'armure des membres de la communauté. Je prends. Et voilà, level up effectué. Moi aussi. Oh, on est tous synchro, on est prêts à y aller, dis donc. Bon bah, petite sauvegarde. Hein, parce que voilà. Eh, Miu, il part en marchant. Je vais marcher derrière dans un écran gris, c'est la fin. Je marche avec l'air déterminé. Je vais mourir. C'est tellement Senseiya. Maintenant, je cours. Maté. Regarde, tu l'as suivi en plan, elle bouge plus. Il est parti faire des explosions. Comment ça s'en fout, ouais. Tu t'en tiras pas comme ça. Allez, gueule, dis-moi. Je vous les laisse. Là, je vous les laisse. On dirait vraiment les gueules, si vous pensez la fin. Sauf que si les gueules, il n'y avait pas de Rukai. Il y a des snipers en coup de temps. Ok, ça marche. Meurtre. Ok. Voilà, chef. Hop là. Bim, explose la tête. Oh. Et pas un deuxième. Mais mets un coup de poing. Je te permets pas. Vas-y, Yui, finis-le. Pas pour l'instant. Je ne suis pas prêt. Level up. Yeah, Andrienne, bien joué. Toi dans la tête. Hop là. Ah ouais, je lui ai fait 2114 points de dégâts. Hop là. Bah, il a une flèche dans la tête, mais il est toujours dessus. Oh, il tire à la tête. Bah, lui, il a perdu. Tire à la tête. Il a perdu. Oh là là, t'as vu comment il a perdu le sang. C'est clair, il a perdu sa tête, lui. Vas-y, finis-le. Allez, ouais, laisse-lui là. Ah, merci, c'est bien ça. Allez, meurs.
Ah. D'abord, il est mort. J'y vais. J'y vais. Oui, c'est moi. Non, c'est. J'y vais. J'y vais. Ah. Non. Si. Ouais, il est où ce con? Il est là. Regarde, c'est ça un véritable archer. Bim. Vas-y, finis-le. Bim. Finis-le encore. Vas-y. Bim. Et bim. Ouais, et voilà. Non, il se relève. La mort 83. Vas-y. Allez, crève. Vas-y. Vas-y. Finis-le. Finish him. Triangle. Oh. Oh pétard, j'ai plus de place dans l'inventaire, j'ai oublié de vendre. Oh, quel bon. Con. Non mais t'es sérieux? Je te promets. Comment t'as fait? Boulet de l'année. Papapapapa. Ah, c'est pas vrai. Aïe 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 aïe. Ça tremble. Ça tremblote. Alors là, il y a un ennemi qui est en mode Gundam Strike, je sais pas si vous voyez. Si, je le vois. Eh, mais... Et il tire dessus. Mais je lui permets pas de dégage. Voilà. Par contre, ouais, il va falloir que je fasse. Oh putain, merde. En plus, je crois qu'on peut plus y retourner. Bah non, parce que y a une sorte de petit escalier qui bloque. On va vu que tu fais ton level up, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, j'ai ramassé une grande plume de From Nowhere. Oh, et ça c'est bien pour toi, ça, Mio. J'allais dire Yui, mais en fait, parce qu'elle a pas de. C'est pour. Mais j'ai plus de j'ai plus de place, t'es con, Tony. Oh, il te reste pas une place? Non, j'ai plus rien du tout. Ah bah merci, merci. J'attends, bouge. Je vais ramasser. Voilà, merci. 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 Je prends tout, hein. Je me permets. Voilà, je prends ça. Parce qu'en fait, c'est pour enflammer tes flèches. Ouais, j'ai vu. Huile de machin bulle. Vas-y, donne. C'est bon. Ah bah, c'est bon. Moi, je prends tout ce qu'il y a par terre. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Élixir de coup. Je vais me prendre des élixirs, comme ça me fera un peu de la place. Potion de puissance. Putain, mais le mec, il met des statues en or de par terre, quoi. Allez, ça peut être des reliques. Voilà, incroyable. Maintenant, je lance des trucs enflammés. Je vois pas aussi qu'il est le feu, mais c'est pas grave. Bah, c'était marqué. Une petite épée dans l'autre main. Ah, ouais, une dague. On dirait Daga dans FF9. Oula, oula, oula. Ils sont à peine pas nombreux, hein. C'est ce que j'allais dire. Aïe. Ouch. Bon, je vais prendre les archers en premier. Et je vais mourir. Et tu es mort, c'est ça? Mais je suis même pas au test. Non, c'est bon, j'ai des popos. Je n'ai acheté plein. J'ai mal. Je m'occupe du petit con qui est en l'air là. S'il te plaît. Là, dans le mille. Je peux les chercher parce que eux sont chiants. Toujours à sortir des. Tiens. Ouch. Et voilà. Oh bim. Comment que je l'ai coupé en deux? Il a perdu la jambe. J'ai sectionné la jambe. Ouais. Bon, on va par là parce que c'est pas par là le chemin. Les secrets. Ah, y'en a un d'ailleurs. Un secret de nain. Ce qui brille. Regarde-moi un secret là. Hop, de l'or. Merci. Bon, non, mais je pensais à un vrai secret. C'est pas un secret ça. Mais c'est ça le secret. Non. Ça compte pas. Moi je dis ça compte pas. Mais si, ça compte quand même pour moi. Ça ne compte quand même que pour un. C'est ça. Attention! À la saut! Ah bah j'ai plus de. Pardon. T'as plus de carreaux? Non! Vas-y, achève-le, Yui! Ah, il est mort! Eh mais eux, ils font mal à quand tous vos épées là, c'est pas tolérable! Hop là, dans le mi encore, j'en ai fait pas mal des dans le mi! Hop là, achève-le!
Voilà. Bien joué. Et des carreaux. Bon bah... Continuons. Bon bah, les ennemis. Oh, 2200 de dégâts, ça t'en prendra un petit peu. L'épée de dalle. Aïe. Et Minoui fait ses courses pendant que... Le charbon. Bah ouais, c'est pour faire... c'est pour montrer l'exemple, c'est tout. Ah bah tiens, j'ai une grande. Alors lui, il attend le script. Il attend le script. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il a rien compris, je crois. Oula, ce que tu lui as mis, tu lui as mis un pensif. C'est ça, il m'a fait des... Il mis un coup de masse en plein dans la joue. Voilà. Bon après c'est un Uruk hein, donc c'est logique. Eh bah dis donc, j'ai peur contre ce dragon. On va mourir. On va tous mûrir. Lalalala. Il y a plein de choses à ramasser et à casser. Voilà. Et je crois que Yui a passé un script. Non? Ah non, j'ai cru que t'avais passé un script, mais non. Oh, la bataille du people. Y'a un mec en rouge, il fait peur. Pélérin, maman, je peux. M'occupe des archers. Allez, je m'écris de guerre. Décapiter. Ah, et un secret de rôdeur par là. On verra ça après. Mais c'est parce que je vois les traces. Franchement, qu'il y a un mur visible, sinon j'étais en voiture. J'aurais été dans la merde. Ah. Voilà, mange. Mange, mon petit, c'est bon pour le foie. Vas-y, lui, finis-le. Boum. Voilà, donc il est mort aussi. Ah, il y en a encore un. Là, il y a deux chamans. Il y en a un qui s'est pris une flèche pleine tête, donc il est mort. Plus de temps. Et lui, j'enlève un bras. Et je me ressens derrière. Bam! Je suis devenu maître du tir à la tête. Les flèches, c'est bien, j'en ai besoin. Parce que je les utilise sans compter, oh, en fait. Un parchemin du culte de l'œil. En effet, c'est ce que j'allais dire. On en a 6 du coup, non? Oui, bon, on va pas par là, tout de suite. Et mon secret de rôdeur. Ouais, ouais, bah on te suit. Mort. On va y aller. Plus qu'un et on pourra enfin. Avoir le trophée. C'est ça. En allant retourner voir Elrond. Ouais. D'ailleurs, je vais. Mais qui n'a pas l'Elrond. Et oh, d'ailleurs, alors, comment ça marche? Le jour où on ira voir Elrond, on ira voir Bilbo. Parce qu'il y a la quête du chroniqueur pour raconter nos aventures. Ça vaut le coup de descendre ou pas? Descendu, je suis. Ah, il est là, mon secret. Bien planqué, tu le vois à peine, quoi. Ah ouais, ça vaut le coup, parce qu'il y a une remontée rapide. Oh, le nain. Un grand arc. Oh, il y a un secret des nains. Bah tiens, ça tombe bien. Tout ce qui juste brille, là, ouais. Pas or. Hop de là. Ouais. Ils servent à rien, vos secrets. Bah, il y en a peut-être un pour toi. Un secret. Qui est planqué. C'est un... Anneau en pierre. Encore un secret de nain. Ah, un filon d'or. Hop. Un filon d'or. Faut pas changer. C'est mon pseudo. Faire un filon d'or. Par contre, j'ai récupéré un nouvel arc. Je peux aller voir à quoi il ressemble. Ça se trouve, c'est de la grosse merde. J'en ai récupéré deux, donc je sais pas. Oula, ça pue. Ça pue cet endroit. Donc, vous êtes remonté? Oui, on est devant le checkpoint. On t'attend. T'inquiète pas, de toute façon on regarde notre stuff qu'on a gagné. Et j'ai absolument rien gagné de... Ouais. Dans un sens, il est mieux.
Parce qu'il fait au moins plus de dégâts minimum. Mais en termes de dégâts maximum, il est nettement moins intéressant. Et puis j'ai pas chance de voler puissance 9%, j'ai pas chance de... Donc fuck, je garde ce que j'ai. Et donc les amis, on va mettre un terme à cette vidéo après que nos amis ont fait leur inventaire. Oh c'est bon. Oh. Parce que... Pardon. T'as pas une épée bien pour moi. Maintenant si. Je peux prendre une épée. Moi j'ai un marteau. Celle, hein, celle que tu m'avais donnée. J'ai un marteau à pic si tu veux. Ah non, je crois pas que je puisse. Attends, je vais te passer, ce serait lol, rien que pour regarder. Donner. Aïe, Winyan. Pour le Luluz. Si tu peux, c'est non, épique. Je peux pas. Oh, dommage. Pour marteler la face de tes ennemis. Ah, c'est celle que tu m'avais donnée. Après, c'est marqué que j'ai pas assez de force, donc. Non, non, c'est marqué champion uniquement, donc je peux pas. Oh. Je peux te la redonner, c'est celle que tu m'avais donnée. Non, c'est nul. Hein, c'est nul par rapport à ce que t'as? Ouais. Tu sais que c'est mon max, c'est l'arme la plus forte que j'ai? Bah, épée à une main, là, j'ai un truc 144, 204, et j'ai un autre 135, 193. Ok, d'accord, ouais, je peux aller me recoucher, je crois. T'en veux une? Non, non, c'est bon. Bah, j'y ai pas bien. merde, par contre, tiens, encore, j'ai reçu un anneau de pierre. Osef. 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 Bon bah. Ah bah, moi je suis prêt! Bon bah, on va mettre fin à cette vidéo. Parce que là-bas ça pue, hein. Il y a une grande salle. Oui, ça pue, c'est sûr, c'est clair. Allez les amis, on s'arrête là et on vous dit à la poche pleine. C'était ton maximum. Bah non, mais c'était voilà. À la poche pleine. C'est le nom d'une auberge. Une auberge naine. À la poche pleine. Ok. Ouais. Ciao. Salut. Mon précieux t'ordonne de commenter et de t'abonner à cette vidéo, mon précieux.